ceux qui ont de l'argent, on a les trucs en or et tout. Donne-moi ta main pour voir s'il y a du jus. Non, j'ai pas payé le courant encore. Ne filme pas les bottes. C'est pour ça que après quand on va laisser une partie en terre avec du sable dedans et l'autre on va la. Devant refuseur de l'île, rien n'est moins sûr. On va voir ce passage du poteau. Oh, à l'extérieur. Oh, à l'extérieur, Vérinex Marceau qui est peut-être venu prendre l'avantage sur refuseur de l'île. La troisième place ensuite pour le numéro 9, Village. On va venir nous rejoindre dans quelques instants. Alors, il y a Eric Raffin qui va venir. Rejoindre le premier de retour, Eric Raffin avec Voltigeur de Mire, qui a beaucoup de mérite, Voltigeur de Mire, parce qu'il a fait illusion pour la victoire, ça s'est joué à pas grand chose. L'entraînement de Roberto Donati, Eric Raffin. Le chrono est quand même excellent. Le chrono est bon, mais le temps s'y prête. Il faisait beau, pas de vent. Vous voulez dire un petit mot, Eric? Il voulait parler. Allez, tous, venu les gars. Il voulait parler, Raffin. j'ai pas eu ton petit mot, Eric. Ouais. Hein. Hein, tu prends du plaisir à battre oui comme ça? La jouissance entre les lignes droites. Oh, c'est pas bon. Arrête, oh, c'est pas bon. Arrête, toi, personne sait qu'on est là. Bravo Alexis! Bravo Grimaud! C'est toi qui as gagné, c'est pas le cheval, c'est toi Grimaud, bravo! Bravo! Merci! Je la voyais quand même plus sexy, la gonzesse de la Moraine en fait. Ça se trouve, je t'en présente un autre et tu vas rien voir. Tu savais qu'elle était Alzane, Alzane à Tremblay, ou... Non, je savais pas. Je peux te vendre mon express si tu veux t'en servir comme aspirateur à gonzesse.
Ah, je vais rester serein encore. Hein. On va pas lui faire concurrence tout de suite. Hein. Ça, ils vont tous savoir que j'ai plus de cheveux derrière le crâne. Non. Les oreilles écartées et plus de cheveux derrière. J'ai jamais mené la grande vie, donc forcément avoir un truc comme ça, il y en a qui en rigolent. Moi c'était un rêve de gosse. Je suis dans un lieu qui me plaît beaucoup et puis je m'estime chanceux. Et puis on a notre 1600 où là, moi c'est un hippodrome, hein, on peut envoyer. C'est Midlands. Ouais, alors tu peux nous expliquer ce que c'est un petit peu la méthode Anthony de Lyon avec les chevaux. Ce matin on te voyait. Des tours, hein. C'est des tours. C'est perdu. Non, bah y a, mes chevaux font beaucoup d'intervalles. Après, il y a des gens qui ont bien plus de récits que moi. Voilà, non. Il y en a qui en ont moins aussi. Hein. Ouais, bon, je me plains pas. Je suis parti des gens qui ont pas. Les factures sont payées, c'est principal. La piste. La piste. 1600 mètres, monter, descendre, c'est-à-dire... Ça. La particularité de ta piste. Zapping. Alors tu travailles pour Fabrice Soulois, c'est ça? Tu fais des pistes? Voilà. Travaille. C'est quoi l'intérêt, Fabrice, de faire neiger un cheval? Ben, ça, c'est des jugements qui ont eu des problèmes. Elle a été opérée d'un boulet. Donc voilà, pour les remettre en condition, ça évite qu'ils aient de la pression sur les jambes. Donc... C'est l'endroit magique parce que bien souvent on t'a entendu gagner des courses en disant que les chevaux n'avaient fait que de la piscine. Ouais, non mais c'est vrai, Commander il a fait que ça, un mec il a fait beaucoup de ça aussi. Donc voilà, ça me permet de les avancer sans avoir de pression sur les jambes et on a eu des bons résultats avec ça. Quoi. Tu sais il y a combien Seb? Pour toi ce sera gratuit. Et d'abord c'est chaton là-bas, c'est chaton là. C'est ce qu'il y a de mieux. Non. Je prends mon petit bouquetin. Quand il commence à travailler, on voit assez vite. Le très bon, on le voit, et le très mauvais, on le voit. Le plus dur à voir, c'est le cheval entre deux. Quoi. Hep. Fabrice, un mec à Oslo, ça s'est pas passé comme tu voulais. Ouais. C'est des courses aussi. Hein. Le cheval était vraiment bien. Et là-bas, il n'y a pas de cravache, c'est un cheval qui est un peu froid comme ça. Donc voilà. Et on a voulu le précipiter un petit peu à la sortie du tournant. Donc il a pris le galop, c'est dommage parce que je pense qu'il n'aurait pas été loin de la vérité quand même. On croise les doigts et bon, on ne sera pas tout le temps malheureux non plus. Tu croises les doigts pourquoi? Pour le numéro derrière l'Autostar, ça te fait peur ça aussi? Ouais, non, mais le numéro à Vincennes, c'est moins important qu'à l'étranger. Il n'y a que des femelles qui t'entourent là. Ouais, voilà.
pas désagréable malgré tout. Dans d'autres occasions, très content, mais bon.